YouTube. Bonjour YouTube. Quête principale, on a réussi à arriver. Un gros dépannage de camion. Nous arrivons. Nous allons en faire des toyaux en or. Je te laisse décharger. Parce que du coup, quoi? Peut-être d'abord aller chercher d'autres trucs. Putain, des carburants lourds. Dis-moi qu'on gagne l'énorme remorque qui sert à faire du forage là que je vois derrière. Ouais, on va la voir. Oh yes. On va devoir la conduire. Bah du coup, faut aller chercher encore une poutrale en acier. Ouais. Une poutrale en métal. Et bah du coup, on va essayer de venir ici. Et il y a une quête à prendre ici aussi, d'après ce que je vois. Bah, du coup, tu vas chercher l'acier avec le bandit. Alors. Ouais, je vais laisser le camion ici parce que du coup je pense qu'il faut livrer tes trucs avant. Oui. Et après il faut livrer défonçage de roue à l'ancienne. Afficher la tâche, accepter la tâche. Distraction locale. Ah, Martine, tu viens distraire les mecs de lui. Renverser les barils alpha. Oh, c'est un truc à la con ça. Ça c'est une tâche chronométrée là, qui sert à rien de défier. Avec des drapeaux, y a moyen. Hein. Non, c'est pas. C'est véhicule scout recommandé pour le coup. Ah ouais, c'est juste une petite tâche. Ce qui peut complètement se faire parce que j'ai pas exploré toute cette région là. Rien d'explos ici. Mais d'abord, notre quête c'est de faire demi-tour. Voilà. Je te laisse gérer le métal du coup. Je vais déjà aller gérer le résidu de remorque qui traîne. Quel résidu de remorque ? Et récupérer la quête du pont en bois parce qu'on l'a toujours pas récup. Donc on a toujours pas les matériaux pour le pont en bois. Ok. Quoi qu'il y a tant pont en bois, est-ce que j'y vais pas avec un véhicule scout? La route elle est dans quel état? Je sais même plus. Ouais, on va faire ça. Alors on va aller jusqu'à ton véhicule qui est renversé là, jusqu'à Roger. Jusqu'au pont en bois. Alors ouais, jusque là, jusqu'au pont en bois. Puis du pont en bois, on repart par là. On revient ici. On fait un cut là-dedans. Là. Là. Ah non, la route elle est dégueulasse ici. Pas ça. Hors de question. Faux. On récupère la remorque. On retourne à la station service. On retourne chez Martine évidemment. Et puis, welcome to the jungle, hein, retour maison. Ok. On part avec, je crois, un pneu éclaté de mon côté. On est sur un pneu éclaté ou on est comme... On a de l'arrêt pas sur ce véhicule ou pas? On n'a pas de répa, on n'a rien. Comment ça, camion disponible en Amérique du Nord? Désolé, je tabasse ton camion. Heureusement qu'on paye pas les réparations. Le tabasse, hein. Je lui mets l'anax. Du coup, je fais pas assez de tout terrain avec lui. C'est pas ça.
battre quand t'es pas chargé. T'as rappelé Bandit, non? Ouais, ouais. Parce que je le voyais plus. Je voulais pas qu'on pouvait faire un peu. Il y a un petit moteur mort pour toi. D'avoir un bon rapport poids puissance. Ah si, si je suis loin, je suis loin. Je crois que c'était dans le coin où il y avait un des Chevrolet en masse. Je t'entends presque plus le poulet. Hein. Ouais, je suis pas en face, c'est bon là. Ouais. Ok. Tu sais, je vais juste prendre peut-être des pneus sur le bandit. Je vais aller avec ça. Alors je fais le style. Afficher la tâche, ça sera deux planches de bois au passage. Afficher tâche, accepter. Ce sera deux planches de bois pour le ce petit pont. Le pont en bois d'ailleurs. Beau comme un camion, parfait. D'autres pare-brise. Le bandit le bandit. Ouais. Ouais, ça y est, il a craqué psychologiquement. Il veut améliorer son cul. Ouais, bah, non, bah j'ai en fait, je peux juste changer les pneus, enfin le reste. Ouais, il est rigolo le monde. Bah, ça fait un bon camion, un deuxième bon camion de terrain. Quoi. Ça prend un patron, un gros claque-pot de patron. Bon petit peu de pain. J'ai une citerne ici. Qu'est-ce que c'est cette citerne? Il y a quelque chose à en faire cette citerne ou est-ce que je la récupère? Il est là, non? Voir trop loin. Bon, du coup, la grue, je sais pas si ça fait beaucoup. Bon, bah, j'ai récupéré une citerne de carburant. Il y a pas une quête qui va avec cette citerne de carburant? Je sais pas. Oh, attends, je pense, genre. Des fois, hein, laisse-les, hein, laisse-les sur place, des fois, ça peut donner citerne des. Égaré. C'est une remorque qui est. C'est à livrer au parking. Si je fais suivre, c'est celle que j'aime. Ça a l'air d'être celle que j'aime. Je l'emmène, je verrai. Parce que c'est pas très loin de chez Marty. Et alors du coup, l'idée c'est que je vais me faire chier avec deux... Oula, oula, c'est pas le bon. Ouais. Ouais, je vais me prendre. Ok, je vais troyer une remorque en plus. Ok. Petit convoi, c'est parti. On part sur un convoi là. Et je pense qu'après, j'irai chercher le bois pour faire le pont en bois. Vas-y, je me fais la poutre en métal. Du coup, puisque le pont en bois, si je dis pas de bêtises, c'est la scierie où on est. Hein. C'est le dépôt de tronc là, non? Non, c'est dans la ville, à l'ouest.
Ah, ville à l'ouest. Ah, la Syrie. Oh non, c'est une blague. Ah, ça va. Ça va, ça va. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est quoi ça, c'est une... Ah, j'ai pas mis de remorque à plateau. Encore une. Oh non, mais on est des semi partout, mec. Bah ouais, c'est un enfer. Remorque à rambarde, on en a partout. On en a partout. Ouais. Bon, allez, je sens que je vais m'énerver, je vais avoir besoin de faire de pognon, je trouve. Alors, c'est pas tout ça, mais est-ce que je peux faire le plan? Voilà, comme ça j'allège un peu l'autre. Hein. Je peux pas l'impôt pencher. Oh, le Fitzar il aime pas tirer les remorques, c'est pas son style. Ah, et tu commences à le charger beaucoup là. Le Fitzar il est bien si. Si tu lui mets juste juste la rambarde derrière en fait. Après si tu mets plus ça commence à être dur. Ah oui t'as été chercher le petit pont en bois. Oh bon ça plaît vachement bien là. Il y avait une amélioration Il y avait une amélioration sur le petit îlot qui est au-dessus. Sauf que toi je suppose que tu devais déjà l'avoir. Je les ai tous quoi. Après, il y a tous les chevrolets à sortir de l'eau. Ouais, on va faire ça. Il y a ça. Il y a pas mal de toyaux. On a pas mal de tâches en cours là. On finit les toyaux en or et après on va aller les chercher. Ouais, ça, oui, ça, il fallait ramener un truc de métal. Ouais, je l'ai acheté. Là, moi, je vais me faire chier à récupérer le métal. Sérieux, avec le volant, ça va être génial comme jeu. De quoi ? Avec un volant, ça va être génial comme jeu. En vrai, oui, à part qu'il n'y a plus assez d'exploitation de la boîte méca dedans, je trouve ça un peu dommage. Parce que justement, c'était ça qui était quand même assez fun finalement, c'est que tu faisais quand même bien chier à gérer ta boîte méca. Hein, ta première tu peux toujours avoir la boîte lampe, hein. Ouais, mais il n'y a plus d'intérêt en fait, puisque le jeu se joue en boîte auto. Quoi. Ah, tu vas voir que la boîte lampe, elle sort de certains endroits là, quoi. Des fois, tu seras bien content. Mais il n'y a plus les vitesses 1, 2, 3 comme il y avait avant. Le différentiel c'est toujours en vitesse 1, tu peux pas le mettre en vitesse. Ah oui, tu l'as du coup. Ok. Oh là là, j'ai réussi à faire le petit demi-tour. Attention, il prend large, tac, on tourne pas mort. On se laisse glisser tranquillement et là subitement on s'arrête et on passe en mode treuillage. Accrocher un treuil à partir de oui. Comment on fait un treuil. Excellent. Et on avance. Enfin, on avance. Et on arrive chez Martine qui est juste au bout de la route. Sans forcer, je suis en convoi là. Heureusement. Je suis en ville si tu veux des clopes en ce moment. Ah, carrément. Ouais. Par contre, c'est vrai que du coup, les remorques poussent un peu. Et là, je peux plus troyer sur. Là, c'est la misère. Donc là par exemple si je me mets en vitesse lente et je bloque le différentiel. Ah bah du coup c'est très intéressant sur le Fitstar à titre informatif. Parce qu'effectivement il passe comme certains de ses camions en mode j'avancerai quand il arrive. Ouais c'est ça, il est sans doute en vitesse lente. En mode je veux pas savoir, je vais avancer. Par contre tu peux pas avoir une. Non, éclair.
chez Martine. Petit tour à la station service. Citerne de mission, ça afficher la tâche. Citerne égarée. Non, c'est pour la citerne égarée. D'accord. Donc cette citerne là, elle est free by. Ce qui veut dire que je vais la traîner jusqu'au super, jusqu'au QG. Du coup, pour aller jusqu'au QG, je coupe par la montagne ou bien je coupe... Ouais, par la montagne qui va chier pour la route. Je sais pas trop en fait. Moi j'ai envie de tryhard. Alors déjà, est-ce que je prends la bonne direction? Oui, je prends la bonne direction. Cette route n'est pas si dégueulasse que ça. C'était bien faite. Bon, elle s'est faite même toute seule, hein. C'est pas assez bien faite. Elle s'est faite vraiment, ça a glissé tout seul quand j'étais déchargé. Maintenant. Et maintenant, comme un connard, d'ailleurs, je l'ai rempli la. Citerne comme un saut. Oh, des coups comme ça. Voilà. Je me suis mis en prompt de tourisme. Qu'est-ce qui manque sur ce jeu? Vas-y. Tout bêtement, hein. c'est la possibilité de faire maintenir une touche. Ouais, là, tu vois, j'ai envie de poser ma manette pour ouvrir mon club. Bah, je peux pas parce qu'en fait, je suis en 1 plus, mais il faut que je maintienne quand même mon bouton. C'est toujours la crampe de doigts fermée. J'adore. Mais tu vois, là, je monte sans problème. Ça monte. Ça a décidé que ça monterait, ça monte. On passe en moto. Suffisamment. Bon, alors, Martine. J'arrive. Voilà, hop, le petit coup a été mis. Descendre jusqu'au garage, sauf gros cailloux qui pourraient taper dans le moteur, sinon ça devrait bien se passer. Là par contre c'est la grosse bougasse. C'est pas grave. Et là le Fleetstar effectivement continue à avancer quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, citerne pleine à craquer dans la boue, rien à foutre. En pleine côte, la citerne, la tête plantée dans la boue, rien à foutre. Il avance. Très bien. On est très content. Pas tôt, le canon. Remorque à carburant. Requise pour l'objectif. Alors cette remorque est bien requise pour un objectif. Mais maintenant, lequel? Bon laisse là, on va bien trouver, quand on va tomber dessus on le fera et puis c'est tout. Parce que... Ah oui, tu penses qu'on l'a pas encore trouvé. Peut-être. Mais au moins elle est... Alors oui, libère le 3, il y a un peu les cas. Elle est... Elle est dispo au garage, monsieur.
Oh non! Tu t'es encore planté avec le bandit, c'est ouais. ça? Spécialité française. Elle est très bien rangée. On peut pas la ranger mieux. On voudrait, on pourrait pas. Pour du bois, c'est une simple benne, hein. Y a pas besoin d'une benne à rembarre spécifique, machin. La merde, hein. C'est du emplacement 1, on est d'accord. Ouais. Ok, très bien. Cette remorque de pont. Officiellement, tu ne sert à rien. C'est bon. Pas sur le parc. On a largement passé. Ouais, quoi que ça, c'est des remorques à rondins. Non, mais c'est que c'est pour les. C'est vraiment quand tu prends des gros rondins, c'est juste des planches en bois. Donc. Voilà. Donc, là, mon objet, c'est d'aller à la scierie de ses morts. Par l'autoroute, bien évidemment. Hop. On va attaquer par là. Attaquer par ici. Mais oui, l'école est finie. On a quoi ici? Une remorque à carburant encore? Mais elle sert à quoi? Ah, je pourrais essayer d'aller chercher le semi-remorque, le semi qui est embourbé aussi. Je sais pas s'il peut le tirer. Ouais, c'est toi qui l'avais découvert ce truc là. Je peux essayer d'aller le récup parce qu'il est à côté de la ferme. Je vais aller checker. Je vais aller check le body. Je vais voir ce qu'on peut en tirer. J'insisterai pas s'il peut pas bouger. J'ai pas fait réparer le véhicule, hein. Je suis un connard. La petite pause s'impose, hein. Allez, vas-y, là. En train de souffrir avec ton bandit là. Ouais. Je suis retourné. Merde. Donner lâchement là. Faut passer par chez lui. Faut qu'on ait comme ça tâche de lumière. Je crois qu'on l'a pas prise. Afficher la tâche. Si. Avec une nouvelle remorque découverte, encore une citerne. Encore un
déjà pas cet endroit. Alors. Ouais. On va y aller tout de suite en mode hauteur. Chevrolet, c'est pas un Chevrolet ça. On le récupère pas, tu l'as. On le récupère pas. Non. Ah oui, il faut le ramener à la ferme. Ah, par contre, oui, non, vraiment, vraiment incroyable. Hein. Le Fitstar, mec, j'ai traîné des citernes dans la boue, pleine à craquer en première, il bouge pas. Là, je tire un gros tas dans le marais en première, ça bouge pas. Hein. T'avances quoi. Avance, au calme. C'est beau, ça fait plaisir. C'est pas du speedrun, mais au moins tu t'enterres pas. Bon, alors moi je suis un peu taquin, j'ai envie de récupérer et la citerne et de tirer le camion. On va peut-être pas faire ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça doit peut-être pas être la meilleure idée. Ah, pas la meilleure, ok. Mauvais, je sais pas. Je te trouve très catégorique. Alors,
t'avances avec tes tuyaux en or là. Bah j'arrive, j'ai repris le bandit, j'ai redémarré du début. C'est vrai que t'étais devenu compliqué avant. Alors voilà, ouais. Enfin, le mec invente toutes les excuses qu'il veut à chaque fois pour retourner son véhicule du côté de chez Martine, toujours, hein. Toujours. Et des coups là, je viens de... Ah c'est le virage, il est trop serré. Ouais. Comme je viens d'arriver tranquillement, voilà, ma grue, je vais récupérer ma cargaison d'acier du coup à la grue. Tirer baissé, tirer baissé. Tout intérieur bois, voilà, c'est pas très cosy comme des jeux, mais je suis bien quoi. Allez, passer en mode c'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire le plein? Ah, ça c'est pas que lui, ça. Ça c'est mon petit bandit. Oh. J'ai une jauge à carburant qui est bonne. Toutes les jauges, ça a l'air d'être la déco. L'impression. J'ai pas fait gaffe si les jauges c'était vraiment de la déco ou pas. Je sais pas. Mon jeu, les jauges à carburant. J'avoue, j'ai pas regardé. Ça. Alors lui, le nombre de tours a l'air d'être l'or. Le reste, je sais pas trop. Le vitesse, j'en sais rien. Attends, si je passe à quoi. Ah si, le compteur de vitesse a l'air d'être l'or aussi. Et pour le plein, j'ai pas regardé. Je pense sûrement. Activer les aiguilles des consommations, je sais pas. Pareil, je peux regarder. Pas des plages de consommation. Ça c'est une température haute, je suppose que ça bouge pas trop. Pas de système de surchauffe, ah, sauf si ton moteur doit être trop endommagé peut-être. Arrêt au frein. Magasin de remorque. Vendre ce truc. J'avais le droit de vendre cette remorque de carburant. Très bien. Bah elle est vendue. Il faut toujours que j'aille chercher le truc de Wabbit. Oh la vache! Mais quel homme! C'est par là. Petit arrêt station service. Ah oui, il faut que je monte dans les montagnes là aussi. Là. Parce qu'on monte pas en bas. Et ouais. Faut que j'aille dans la montagne et chercher la petite amélioration qui traîne. Sale bail! Voilà. On a réempilé la cargaison d'acier, au moins on va pas de gâchis, on tu sais la même. Si l'amélioration qui est très haut dans les montagnes à cheval là, si elle est accessible en camion ou on peut vraiment y aller qu'en scout? Je crois que c'est qu'en scout. Il y a une camionnette hein, qui traîne dans le coin. Là. Une camionnette qui traîne dans le coin? Ouais. Il y a une camionnette, si tu déverrouilles la tour de guet qui est au-dessus là, faut y aller en scout hein, tout ça là. D'accord. Là, il y a deux tours de guet à gauche. Tu parles de celles qui sont à gauche, hein? Ouais, celles qui sont à gauche vers là où je vais en fait. Et je te parle de celle qui est un peu en haut là. On voit que t'as débloqué une amélioration par là. Enfin, amélioration côté station service quoi. Faut y aller en scout. Ah, faut y aller en scout, c'est la misère. C'est la Zermi. C'est pas grave, on va faire. On va aller faire quand même de la quête hein, parce que sinon tu vas être le seul à travailler. Ça va se voir à un moment donné. Voilà. Mais d'abord je pense que des bisous ton tube, j'ai assez bien glandé, on se glandera dans le prochain épisode. Des bisous à l'année prochaine.